Nous sommes arrivés à Police à temps pour la conférence pour la paix. Il n'y aura pas de paix. Juste la guerre. La dernière guerre. Maintenant, je connais les réponses à toutes les questions. La tête de Pavel a été une mine d'informations pour connaître les plans de Corbut. C'est très étrange ici. Attends. Ça me rappelle la fumée noire dans Lost. Il faut que je voie. Ça marche, petit. Fonce vers le truc qui fait vaciller tous les arbres. T'as raison. Oula, qu'est-ce qu'il a chopé là? Il a chopé une crevette! Là, il y en a une autre, une crevette, d'ailleurs. Là, il y a une crevette qui est morte. Et là... Et là... Il y a... Tiens, je suis vraiment sur peu là ici. Ah ouais. Ah, pas mal. Attendez. Alors, chargez un peu parce que je vois que dalle. Ouais, coffre-fort. Cool. Oula. Bah, sinon, il y a rien d'autre ici. Ah, dommage, il y a un coffre fort fermé. Ouais, il faudrait choper la clé, mais où ça? Merde. Qu'est-ce qui fait un bruit pareil, quoi? Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, fait chier. Foutez-vous sur la gueule si vous avez envie. Moi, je passe mon chemin. Ne vois rien du tout et en plus je suis en train de crever, c'est chouette ça. Ah tiens, ah merde, j'ai pas vu les crevettes là, putain. Ah, non. Voilà qui est mieux. Waouh, punaise, très beau visage. Très 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 beau visage. Bon. Recule. Qu'est-ce que tu nous fais, toi?
Ah merde. Ah merde. Oh la bourde. Non, pas du tout, voilà. Voilà, super rapide. Et merde, putain, il y en a combien? Oula, 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 oula. C'est quoi tout ce boucan? Ah, là, il y a quelque chose à récupérer. Non? Mais, putain, mais... Mais, va te faire foutre, quoi! Non, il n'y a rien ici. Bon. Hop. Oh! Tiens, ça, je prends. On a trouvé des grizzlies. Cette espèce n'a pas encore disparu. Oh putain de merde, c'est quoi ce grizzly monstrueux qu'il y a derrière là? Oh là 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 là. Nous avons visiblement toute une famille de grizzlies mutants. Avec lesquels on va devoir négocier. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Hop, on va aller négocier avec des barres. On va répondre à la démocratie et la liberté. La démocratie et la liberté. Bon, alors attendez. Oh. Il est là, notre bonhomme. Ah, mur invisible. Putain de merde. Il y a là aussi un mur invisible. Ouais. Regardez, il est là, notre copain. Moi, je vais pas lui tirer dessus parce que sinon, après, il va plus trop m'aider. Elle protège ses enfants. Attention! Oh putain! Ah! J'ai rien capté, hein. Honnêtement, je vois rien du tout. J'étais visiblement embourbé. Ah! Aïe, putain, ah, merde. Ouais, donc il y a vraiment des zones qu'il faut que j'évite, sinon je me fais... Oh, tiens. Hop. Oh, putain de merde, oh, tiens, t'as l'opi, aïe, va te faire foutre. Ouais, je vois rien, je vois rien, je vois rien. En train de se faire déchiqueter là, la nana. Elle protège son dos, c'est son point faible. Oh putain, toi tu l'as échappé d'elle, mon gars. Hop là, démerder avec les mêmes. Ouais, putain, allez, cours, cours, mais merde, pourquoi tu cours pas? Eh, dégagez, merde. Putain de... Oh, putain, toi, viens là, toi. Aïe. Mais genre, il y a un marécage en plein milieu, mais oui, tout ça, mais burn, mais oui. Allez. Qu'un autre là? Allez hop, passe-moi ça. S'il te plaît. Oh putain. Ah!
Par contre, je me rappelle pas qu'on avait la possibilité de faire des phases de psycho. Wow, tiens, je me déporte là, tout de suite. Ok, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle ou il est? Tiens. Putain. Putain! Merde, filtre. Ok. Ah d'accord, en fait elle s'est barrée. Ok. Ouais, faut être gentil parce que voilà, il y a des petits grisis là qui ont besoin de leur mamounette. Et puis en plus je sais qu'on peut débloquer un succès. Un point de karma avec, donc autant en profiter. Non, je l'ai découvert complètement par hasard au bout de la deuxième fois. Première fois, je l'ai laissé se faire bouffer comme un gros porc, et puis deuxième, je me suis dit, bon, allez. Voilà, j'ai des petites larmes, il y a des bébés et tout, c'est très beau. Et voilà. Donc je me suis dit, hop, je vais essayer de la sauver quand même. Quand même. Parce que voilà, c'est beau. C'est beau l'armour. C'est beau l'armour. L'armour. Ah! Dieu merci, t'es vivant. Tu as un ami? Attends, mais c'est... Tom, cet enfant devrait pas être là sans masque à gaz. Mais bon sang. Mais quoi, que donc est-ce que... Un enfant de la surface, un sombre. Non, ne le tuez pas, Melnik. Mais non. Alors éloignez-le de moi. Pas de masque, j'aurais dû me douter. Celui-ci est vert, mais celui-là est jaune. Il ne craint rien. Qu'il s'adapte bien. Ouais, ça va l'aider à vivre. Je peux lui parler, Arthur? Non, non. Colonel Melnik, n'ayez aucune crainte. Cet enfant est le futur. Il suffit de lui prendre la main. Mes mains sont déjà pleines. Je doute que cette créature nous aide. Mais vous deux, partez sans moi, avant que je change d'avis et que je l'élimine. Commencez. Oh, j'arrive à entendre ce qu'il pense. Et toi aussi, Arthur. Waouh, c'est formidable. Tu peux entendre les pensées des gens rien qu'en les touchant. Avec Artyom, c'est différent. On peut parler à distance. Il a été adopté il y a longtemps. Tu comprends, Arthur? Oh, il y a de l'or. Les sombres t'ont changé afin qu'ils puissent nous comprendre. Waouh. Derrière la porte. T'as entendu? Ils t'appellent. Je les entends. Ouvre vite! Mais. On dirait une des portes scellées de D6. Oui, AVDNKH. Son verrou est gros. Mais il faut le casser. Y'a quoi? Ouais, je veux bien, mais comment est-ce qu'on fait? Ah. Ah, bah en fait, non, c'est bon. Ils sont dedans. Ils dorment. Ah bon? Incroyable. C'est pas vrai. Ils hibernent. Il est pas tout seul. Je dois les réveiller. Il est temps pour eux de vivre. On va tous entrer là-dedans. On va ouvrir la porte si on peut. Il y a... la mort. Tout près. Tout autour. Mais je dois les réveiller ou je serai seul à jamais. Bon, écoute. Aide-nous et on t'aidera. D'accord. Que faut-il faire? Je dois les réveiller. On va devoir improviser. Hey, réveillez-vous, Arthur. Colonel, vous pouvez ouvrir la porte au bout de la ligne des jardins à D6? Vous avez le code? J'ai tous les codes de D6, mais je te promets rien. Il faudra bien. Il va nous aider à police si vous le faites. Emmenez-le alors, et tenez-moi au courant. Si je suis sûr qu'il nous aidera, j'ouvrirai la porte. J'adore ce genre de discussion, ça me fait penser à n'importe quel RPG occidental qu'on peut voir actuellement.